bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2, comme d'habitude, avec notre épisode 18. Installez-vous confortablement, un petit truc à boire et à manger pourquoi pas. Et surtout un casque, des écouteurs, pas les deux en même temps, quoique vous pouvez le faire. Bon, vous m'entendrez deux fois, c'est pas ouf. Mais profitez de cette qualité qui vous est offerte, et comme d'habitude, bah si vous avez quelques petites secondes à perdre, c'est même pas des secondes à perdre, c'est des secondes à gagner, n'hésitez pas la route 5, à poser votre plus beau like et votre plus beau commentaire. Route 5, alors, on a des petits trucs là-bas, vite fait, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour le coup. Là, je ne peux pas monter, donc it's ok. Souvenez-vous, on avait retrouvé notre ami qui était parti sans prévenir quiconque. Et on l'a ramené dans un sale état avec Dina dans le hall du théâtre. Et pour le coup, on est reparti parce que on connaît une position dans un centre médical, d'accord. Et il y a de grandes chances qu'il y ait Joël aussi. Joël, excusez-moi, lapsus révélateur. J'ai déjà envie de chialer, putain. J'ai déjà envie de chialer. Tommy, près de l'hôpital. Donc, on y va, wait and see, et j'espère qu'on va retrouver Tommy, et si possible pas mort, ça m'embêterait énormément. Allez, on est dans la zone de l'hôpital, ça risque de swinguer. On va faire un petit récap, niveau pistolet c'est moyen, niveau fusil c'est pas trop mal, en plus il one shot quasi. Et je pense que le mieux c'est limite de prendre l'arc, et on se fera un petit craft de flèche. Ça pourra être très sympa. Faut que je passe. Ici, on a un petit trou, donc on va passer là. Vous savez que j'aime bien me faufiler dans les petits trous, évidemment. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Vous comprendrez que dans un jeu de survie, un petit trou, ça peut sauver la vie, littéralement. Allez, on y va, on continue. Non, mais parce que je vous vois arriver. Bande de petits pervers. Hop, voilà, on va sauter là-dessus. Et on est bon. Alors, attends. Ellie... file là-haut parce que je pense qu'il y a des trucs vraiment ouf. Regarde, regarde comme c'est ouf en fait. Hop, un boulon, 4 vis. Voilà, ça c'est la vie. C'est la vie que j'ai choisi de mener, les amis. Cascade! Ok, on est bien. Bon, on va descendre par ici donc. C'est le seul chemin que nous avons. Par là. Un petit tour avec Louis la brocante et on n'a rien. Voilà, une bouteille vide. Hop, là, y a rien. Et là, y a rien non plus. On essaye, hein. On essaye, on tape partout. Vous savez, dans la vie, il faut savoir taper à toutes les portes. Alors, comment vous allez? Vous savez quoi, cette fois-ci, on est à l'épisode 18. J'ai envie que vous m'écriviez comment vous allez. Comment vous avez vécu ces 18 épisodes. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Vous passez des bonnes grandes vacances? Est-ce que pour vous, la vie est belle? Est-ce que vous kiffez ce petit rendez-vous tous les jours, voilà, sur The Last of Us? Cool. Donc, dites-moi tout. Je me demande combien il y a. J'ai envie de discuter, j'ai envie de lire tous vos commentaires. Donc, faut me faire rêver, d'accord? Hop, du scotch. Je prends. Ça, y a rien. Ok. La seule issue, c'est la bagarre. Alors. Une bouteille, on s'en branle. Ça, par contre, je prends du scotch, une petite goutte, je prends. Là, on n'a rien. Et ben voilà, on est frais, on est frais, on est frais. Ça, hop, ça, on prend évidemment. Là, on se régale, hein. C'est de la régalade. Comme à la quinguette. Ok. On va reload. Voilà. Là, on est frais. Eh ben, on est pas mal, les amis. On est pas mal, on est pas mal. On a un pistolet, il manque toujours quelques petites balles. Faut passer par où, excusez-moi. J'ai pas tout suivi. C'est par là. Cool. Je me rapproche. Ok. Alors, se rapprocher, ça veut pas dire y être. Hein. C'est ce bâtiment-là, vous croyez? Il y a encore beaucoup de trucs à fouiller. Non, c'est peut-être celui-là. J'irais que c'est celui du fond, là-haut, là. Là, je pense qu'il y a pas grand-chose. Non. Ok. On va rentrer dans ce magasin dans le carrefour. Il y a celui-là aussi là-haut. Mm-hmm.
Tout cela n'était pas prévu pour être franc avec vous. Bah ouais, fais chier, ouais. On a perdu de la munition, on a perdu quelque chose. Par contre, un bout de papier par terre, on l'avait pas vu. Woods, voici la liste des déserteurs. Ok, une femme et trois hommes. Nous savons qu'ils sont partis avec des armes. Faites attention, il est préférable, de les capturer vivants. Mais ne prenez pas de risques inutiles. Si vos vies sont menacées, je vous autorise à les abattre. S'ils voulaient partir, nous aurions pu en discuter. La désertion et le vol ne peuvent pas être tolérés. Nous devons en faire un exemple. Que vos vies soient longues et vos morts rapides. Bonne chance, Isaac. Que vos vies soient longues et vos morts rapides. Ouais. Alors, pour la vie longue, quand même relativement d'accord avec lui, c'est vrai que c'est préférable. Hein. Pour la mort rapide... Oh. Bon, je suis quand même d'accord avec lui, ça reste préférable aussi. On va pas se mentir quand même. Mais il y a mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire en termes de vœux. Si ton neveu, il vient, il fait « Ouais, je passe le bac », bah tu vas pas lui sortir ça, tu vois. C'est pas la meilleure des rêves, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a par ici? Putain, fait chier, je les avais pas vus, ça me dégoûte un petit peu. Ça me dégoûte un petit peu. Hop, on a encore de l'alcool. On va passer ici, une bouteille. Ça c'est pas mal. Petite gougoute. Ça en prend du papier cul. On essaie vraiment de tout fouiller. J'espère pas trop vous décevoir dans ma manière de faire et de voir les choses un peu. Encore une fois, évidemment, je passe à côté de certains trucs. Mais comme vous, hein, vous feriez le jeu de votre côté. Vous passeriez à côté de choses assez aberrantes pour un viewers. Mais bon... Faites pas les choquer. C'est pas la première fois, ça sera sûrement pas la dernière. On a quoi là? Oh, ça c'est pas mal. Hop. 45 stimulants. C'est pas mal du tout. Une bouteille du PQ. Ok. Et encore une bouteille. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des petits trucs sympas? Par exemple, on peut faire un molotov en plus. Par exemple, ça on peut pas. Il faudrait une paire de ciseaux, ça serait cool. Il faudrait juste une petite paire de ciseaux. Et on sera très très bien. Hop. Alors, c'est pas le seul bâtiment que j'avais repéré. J'avais aussi repéré là-haut. Donc j'aimerais qu'on y aille. Il me reste combien sur mon bâton d'ailleurs à taper? Il me reste un coup. Un coup et je perds ma batte. Et ça c'est chiant. Oh putain, mais on dirait un hôpital. On dirait un hôpital. L'amour est partout. Ok. Non mais sérieux. Alors, on va étudier quand même ce qu'elle a dessiné. Son amour est partout. Putain, mais c'est qui ces gens? Pourquoi ils ont fait ça? On dirait une secte, hein, pas clean du tout, hein, quand même, pour le coup. Hein. Son amour est partout. Très bien. Là, je peux monter. Donc là, on est bien à l'hôpital. On est bien à l'hôpital et en haut de ce bâtiment, bah il y a notre cible. On est d'accord, hein. Non, c'est bizarre cet hôpital de mort. Attendez, parce qu'il y a aussi là-haut. C'est chiant. Quand il y a trop d'endroits à aller comme ça. Mais non, c'est pas possible. Attendez, il y a un problème. Je vais voir. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Excusez-moi de ces insultes. Peggy 18, on n'oublie pas. Regardez. Oh! Vous l'avez vu? Un lapin, non? On peut aller partout! Ok. Non, mais attendez. Ça veut pas. J'ai l'impression que tout ressemble à un hôpital ici, putain. Oh non, bah ouais, mais... Aïe. Et j'ai pas de carte. J'ai pas de carte du tout. Pour moi, l'hôpital, c'est ça, hein. C'est ce grand bâtiment, hein. Ça, c'est pas un hôpital, hein. Quoique ça ressemble. Oh là là, quel enfer, les amis. Tiens, on a une porte ici à ouvrir. Okay. Merde. Faut que j'entre là-dedans. Sérieux, je suis pas tout là en fait. On est sur la bonne route, mais je sais pas où est l'hôpital. Qu'est-ce que ce bâtiment? Qu'est-ce que ça peut être?
on va rentrer dans celui-ci. C'est le hasard, et puis tant pis, si c'est le bon bâtiment, bah on aura perdu un autre bâtiment à fouiller. J'avoue qu'il ressemble pas trop à un hôpital celui-là, donc je suis en mode frère. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Ça peut le faire hein, sur un malentendu. On va regarder un petit peu plus haut. Ça a l'air d'être bon. Rien dans les environs. On va peut-être monter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Confection de fumigène, ça on a déjà vu, très bien. Augmente la portée du mode écoute. Maintenez R1 pour opérer les ennemis proches à travers les murs. En vrai, ça c'est méga cool. Bloquer la respiration. Ok. Ok, ok, c'est un petit bâtiment, ça va. On a de la chance. Voilà. Pas l'air d'être un hôpital, c'est un hôtel, hein, ça. Hein. C'est un hôtel. Très bien, et ben on continue, les amis. On va fouiller là-haut. Petit 360 noscope. Ok. Très bel appartement, ma foi. Des gens qui habitaient ici étaient plutôt aisés. En plus, ils habitaient à côté de l'eau. Je sais pas si à côté... Alors... Ah, je sais pas. En fait, je me pose la question. Est-ce qu'habiter... Tiens, est-ce que dans le chat, des gens habitent près d'un hôpital? En vrai, est-ce que vous êtes voisin à un hôpital? Ça doit pas être ouf, hein, pour le coup. Hein. Voir... Ah non, non, ça doit être terrible, en vrai. Mais non, mais ça doit être terrible. Il y a des provisions partout dans cette ville. Ça doit être terrible. Tu vois toujours des gens, t'as possiblement des sirènes et tout. Oh non, quel enfer. Quel enfer. En vrai, je me suis dit, c'est cool, c'est un petit bobo, t'y vas, tu vois, mais mes couilles. C'est pas cool du tout. Oh! Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Très grande douche. Eh, c'est très belle maison, ça, hein, j'adore. Hein. Elle est validée par la street, celle-ci. Hein. Elle est validée par la street. Ok, on a fait tout. Le tour... Pardon. Pardon, pardon. C'est verrouillé. Tiens, 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 qui voit l'âge? Si c'est verrouillé, vous connaissez, c'est qu'il y a forcément une petite issue. Il y a forcément une petite issue, non? Que dalle? Eh ben, on va faire le tour. Je veux trouver le moyen. Ah non, il y a peut-être aucun moyen de rentrer dedans. Non, c'est juste verrouillé pour le plaisir. Et là? Oh, c'est pas vrai, Jean-Michel, pas de bol. Ok, bon. Écoutez, on va l'établir, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Si on peut faire quelque chose, je ne crois pas, pour être honnête avec vous. Je pense qu'on a épuisé tous nos écrous, tous nos boulons. Cadence de tir, vitesse de bandage. Oh, oh putain. Lâche-moi. Sale... Ça le fout, va! Merde! On n'y retournera pas! J'ai eu tellement peur, frère! Il m'a fait bader! Putain. C'est quoi ce bordel? Malade ou quoi? Bon! Excusez-moi pour cette petite interruption. Eh, c'est stylé, mais frère, quand t'es pas prêt, t'es pas prêt, hein? T'es pas prêt, t'es pas prêt. Je disais... vitesse de bandage, voilà, parce que je disais que j'aimais bien justement en fait, plus on bande vite, finalement, mieux c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faites un petit effort là-dessus. Ça me paraît pas mal du tout, hein, vitesse de bandage. Hein. Stabilité, ok, remplacer la poignée. Et télémètre, ajouter un télémètre pour afficher automatiquement la distance des ennemis sur le réticule. Vitesse de bandage, ça me paraît optimisé aux petits oignons.
on va pouvoir bander 50% plus vite. C'est quand même... Je peux vous dire que c'est pas négligeable. Voilà, j'ai changé de corde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois que j'ai... Ouais, j'ai changé de corde, ça se voit. Eh ben, c'est très bien, on va attendre un tout petit peu. Ok. En tout cas, on se fait agresser gratuitement. Pas ouf, cet hôtel. Franchement, 1,5 étoile sur TripAdvisor. La chambre est grande. C'est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'on en prend plein la gueule quand même. Oh, j'avais pas vu ça. Tiens, 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 encore what? Alors, coucou Mélissa. Je laisse ça au cas où tu déciderais de te joindre à nous. Finalement, on quitte le refuge à l'aube. J'ai ralenti les autres autant que possible, mais Isaac doit être en train de nous chercher. Et on sait ce qui est arrivé au dernier déserteur. Le plan est toujours d'aller vers le sud pour voir si les rumeurs sont vraies. C'est peut-être des conneries, mais je préfère prendre le risque de continuer à subir le fanatisme d'Isaac. N'oublie pas qui on était. Le WLF nous a adoptés, mais on n'est pas des leurs. J'aurais voulu que tu quittes le stade avant nous. J'espère que tu finiras par le faire. J et So. Vous m'avez prise pour une wolf. Ah ouais, mais voilà, mais c'est pas cool ça. Oh là là! Ça, c'est de la régalade. Ça, c'est de la régalade. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. Chimie organique, concept et pratique. Ouh. Encore un nouvel arc. Je crois que, si je puis me permettre, j'ai toutes les branches à mon arc. Oh là là, hop, voilà. Ouais, mais quand ça m'énerve, je donne des coups de couteau. Très violent. Je suis un homme très violent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bon, ça, je prends ça. Et là, je disais, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bon, ça, je prends ça. Eh, faut vraiment tout fouiller, hein. J'ai failli passer à côté de cette pièce, quand même. Hein. Ok. Ça. On recharge. Voilà. Alors, au niveau des manuels. Bon, il n'y en a plus. Donc là, on a trouvé tous les manuels du jeu. Est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas. Confection de flèches explosives. Piège explosif amélioré. Cocktail Molotov amélioré. Allez, go. Eh ouais, mais on vit qu'une fois, les amis. On vit qu'une fois. Confection de flèches explore. Ça va explose. Ok. Et ben voilà. Allez, on peut partir. Je suis désolé, cet épisode, on restructure un peu les choses. Ah, c'est sûr qu'il faut être un peu plus vigilante. Je te le fais pas dire, Jean-Michel. Ok. Allez, on est ressorti. Bon, écoutez. On a un petit tam-tar. Il n'y a rien à faire là-dedans. Je pense que cette fois-ci, il est temps d'aller dans le bâtiment là-haut. À mon avis, on est bien, on est même très très bien. Cet épisode va être très calme, voilà. C'est pas là où on va avoir beaucoup de cinématiques. Après, pendant longtemps, vous vouliez de l'action. Pourquoi il regarde là-bas? Ellie? Regarde pas des directions comme ça. Il faut que je trouve une autre batte de baseball. Ça, c'est un hôpital, ça. Ça, je reconnais, c'est un putain d'hôpital. Putain d'hôpital. On va voir l'accueil. Hop, cascade! Voilà, putain, j'en ai rien à péter, moi. Ok, on est bon. Et là, on a quoi, là? Eh bien, on a rien. Très bien. Allez, c'est bon, dire. Il va se passer des trucs. Oh, 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 oh. Attendez. J'ai rien vu, là? J'ai rien vu, je suis totalement dingo. Allez, c'est parti! Au moment de l'ascenseur, ce soir, tout le monde est chaud. Regardez Ellie, hein. Elle transpire la haine, putain. C'est tellement bien fait, en fait. Vraiment, quand t'arrives à te focus sur tout ça, c'est incroyable le parti pris du jeu. Ok, bon, j'ai une corde. Très bien. Je sais pas, peut-être que le mieux c'est de jeter la corde par la fenêtre, non, en vrai. T'as rien. Est-ce que c'est pas le mieux, pour le coup? Oh merde. Il y a des trucs cool là-dedans. Ok. Info sûre, c'est ça. Totalement con, putain, je suis vraiment con.
Ok. Très bien. On est bon ou pas? Une corde de fondu comme ça. Attends, putain, déconne pas. Si, c'est bon. Voilà, c'est très très bien ça. Vous voyez? C'est du bon boulot, putain. C'est du bon boulot. Non plus. Car je sais plus comment me balancer, ça, ça c'est terrible. Je sens qu'on va passer une mauvaise soirée encore. Attendez. Non. Bon allez, hé, à l'ancienne comme à l'ancienne, hein. Alors. Sinon on s'en sort pas. Qu'est-ce que ça donne ? Hop, là on ouvre, on est tranquille. Oh ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais peut-être dû même commencer par aller ici en fait. Shift ! Qu'est-ce qu'elle fait de bien celle-ci ? C'est une femme, je crois, oui. Au premier abord, Gale Price est une adolescente. Tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses sauts d'humeur et tout le reste. Cependant, ses sauts d'humeur alimentent sa capacité à accélérer la matière. Lorsqu'elle est heureuse, son pouvoir rayonne et augmente la vitesse de ses alliés, tout en déstabilisant ses ennemis. Lorsqu'elle est triste, son pouvoir se concentre en elle et la rend plus rapide, lui permettant d'échapper à ses adversaires et de rendre le monde qui l'entoure plus lent. Shift est une alliée puissante mais imprévisible, et une cible de choix pour la manipulatrice Motivator. Et c'est une héroïne neutre. Une nouvelle carte dans mon album Panini. Et ça, c'est cool, putain. Qu'est-ce qu'on a là ? Simon, j'espère que tu ne liras jamais cette lettre. Que je pourrai la mettre en boule et la brûler quand tu reviendras. Ça fait plusieurs heures que tu es parti. Je suis sorti te chercher et ces hommes en capuche m'ont vu. Ils m'ont traité de pécheresse et se sont mis à tirer. Je suis vite rentré et j'ai barricadé la porte. Je n'entends que la pluie, mais j'ai peur qu'il soit toujours là. Est-ce que je dois fuir ou rester ? Je me sens paralysé. Très bien. Je suis désolé d'être tombé malade. Désolé que tu aies dû aller à l'hôpital. Désolé de ne pas être resté caché comme tu me l'avais dit. S'il doit m'arriver quelque chose, je veux que tu saches à quel point je t'aime. Reviens vite, j'ai peur. Paige. Merde. J'aime bien Paige comme blaze. Je trouve ça franchement sympa comme prénom. Ouais, je tenais à vous le dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, écoutez, en vrai, c'était plutôt cool. Cascade, micro-cascade. C'est parti. Non, bah non, mais on vient de par là, c'est pas parti du tout. Allez. Donc, c'était pas l'hôpital. Très bien, ça tombe bien. En vrai, on va attendre le prochain établi. On va pas se presser d'améliorer maintenant. Pas besoin. Donc finalement, la vraie entrée, notre vraie énigme se passe au niveau de la porte là-haut. On va voir un petit peu comment on peut faire. Il faut passer ici même. Ne pas bloquer. Oh putain, mais j'ai trouvé. C'est tellement con. Voilà. Et voilà, allez, nous abordons. Par contre, je peux pas faire machine arrière, je crois. Ok, là, on est à l'hôpital. Ça, ça sent l'hôpital, ça. Ça... Ça, je te le dis, mon petit pote, ça sent l'hôpital. Benne interdite sur la rampe. Forcément, ça glisse. Et ça peut niquer ce bordel, là. Ok. Regardez bien. Normalement. The Bordy ! Ouais, c'est pas aussi impressionnant que ce que je pensais, pour le coup. Tant pis. On aura juste besoin de cette benne. Je pensais que ça allait fracasser mes couilles. Regardez. Forcément un bail, là, non? Non, y'a rien. Oh! Pente glissante. Ah, mais j'ai bien compris, j'ai bien saisi. Attends. Alors, si j'ai bien compris... Non, j'aurai jamais le temps, c'est débile.
Ok. Je suis... C'était plutôt futé, Ellie. Ouais, je suis futé. Voilà, merci Ellie, hein. Merci de l'avoir fait remarquer. Je suis littéralement une machine. Et ça, ça fait plaisir. Eh, mais tu sais, ce genre d'énigme, il y a des gens qui restent bloqués là-dessus. Hein. Ok, bon, on peut se casser. Nickel, on a sorti la benne. Allez, go. Alors, par contre, on a... Attendez, parce que c'est bien de sortir des bennes, mais... Ok, d'accord, j'ai saisi. J'ai saisi tout le concept de cette petite benne des familles. Voilà. Et voilà. Regardez. Hop. On ouvre. Ok. Ici. Et on peut ouvrir. Ici. Aucun problème. Allez, on continue. Notre zone est ouverte. C'est plutôt cool. Cette fois-ci, direction l'hôpital. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de mine d'ailleurs. Peut-être éviter de parler trop vite, mais enfin quand même. Ok, on y est. Let's go. Ça va swinguer. Voilà l'hôpital. Merde. Il est plus loin que je pensais. Ah oui, d'accord. C'est chiant ça, hein. Falloir faire un effort, hein. Je sais pas si dans deux épisodes on va y aller. Oh, méga loin en vrai. Méga loin. Je crois que c'est là. Cherche un énorme panneau rouge. Très bien. Bah ouais, mais je le vois tellement loin, il est là, l'hôpital. Qu'est-ce qu'on branle là? Ok. Normalement, c'est ok. En vrai, je pense que si on trace, genre prochain épisode... Ellie, fais pas la con. Prochain épisode, on y est, mais là, j'avoue que quand même, hein, c'est pas à côté, hein. Et voilà. Ok. On est presque dehors. Ça devrait le faire. Je pense que épisode prochain, on y arrive. Si notre chemin n'est pas trop semé d'embûches. Ah ouais, mais attendez. Oh, ça pue là-dedans. Trop de choses partout. Partout. Ok. Oh. Ça s'est fait découper par ici. Attendez, j'ai stressé de ouf là. Oh merde, ça craint. Je suis vraiment pas bien là. Il rigole pas, ces types. Ok. Je suis pas serein de ouf. Non, oh, super. Attends, mais c'est une boucherie charcuterie là, les gars. Oh. C'est les WLF qui font vraiment ça. On se casse. Ouais, c'était pas ouf. On a gratté quelques balles, mais c'est... Je fais quoi, oh, putain, maintenant? Putain, je me suis fait flipper. Ils sont cons, hein. Pardon? C'était derrière? Attends, j'ai fait miskin à ce point-là? Fallait pas m'aider, les gars! Ah ouais, j'aurais pu galérer, putain, je croyais que c'était bouché, en fait. Ouais, mais c'est... Des hauteurs. Fais chier. Faut que je trouve comment sortir d'ici. Ils font pas de bruit, ce connard. Je
très bien. Ah, grosse merde. Situation. Comment je retourne dehors? Belle exception. Hop, on prend. Hein. Ah ouais. Eh ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là, les amis. Hein. On va s'arrêter là. Parce que là, vu comment ça swing, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, épisode très calme. Après ce petit flashback de l'épisode précédent, c'est très très bien aussi. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien! Bisous tout le monde, ciao ciao!